Mesdames et messieurs, valeureux abonnés de Guided Music, bonne arrivée dans le projecteur, cet incontournable rendez-vous dédié aux nouvelles voix de la musique guinéenne dans toute sa diversité qui reçoit ce soir l'artiste rappeur Davinci. Ensemble, on va explorer son univers musical et artistique en commençant par sa toute dernière actualité musicale. Ne quittez surtout pas, on se reprend juste après ça. Bonne arrivée à vous, si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur ce plateau de votre émission Le Projecteur, qui a comme invité ce soir Davinci. Davinci est dans Le Projecteur. Bonsoir frère. Ouais, salut frère Kekora, quoi de neuf? Ça va tranquille, bonne arrivée sur Guinée de Musique et dans Le Projecteur. Merci la famille. Plaisir partagé. Alors, Davinci, dans ta toute dernière actualité musicale, tu nous as fait un contre-pied, ça s'appelle dans le football un contre-pied, c'est-à-dire quand le gardien est au milieu et qu'un joueur veut tirer le pénalty, le gardien choisit un côté gauche et que le ballon va à droite. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous, on avait enregistré dans l'univers musical guinéen la fin du game à travers le titre d'un morceau du rappeur MC Fresh. Ouais. Rebellop, toi, tu reviens, tu nous dis non, c'est maintenant que ça commence. Ouais. Explication. C'est intéressant parce que c'est ça qui donne un peu de l'engouement au mot game. Donc déjà pour commencer, chers auditeurs, merci de donner la force à l'émission et merci encore à Guinée Music. Ouais, donc merci. Maintenant pour répondre à ta question en fait, le rap reste une arène de spartiates, ça reste une arène de guerriers. Genre un peu, même le football, ça reste une arène de guerriers. Donc avec ses règles, ses principes. Donc le petit est venu, genre un peu, il est venu avec fin du game. Fin du game. Mm-hmm. En tant que rappeur, tu vois un peu, je dois me dire, attends, mais si le petit vient comme ça, il dit, ah, fin du game. Ça veut dire que tous les autres rappeurs, ils ne les voient pas. Donc, touché dans mon amour propre en tant que rappeur, parce que, comme on appelle ça, j'ai pratiquement fait d'abord 2 ans sans rapper. Hein. Sans actualité. Ah, sans actualité. Sans actualité. Ah. C'est le 25 août, on a vu sur ta chaîne le morceau Début du game. Justement, non, j'ai fait 2 ans sans rapper, tu vois un peu. Oui. Mais sinon, je sortais plus des singles love, etc. etc. Oui. Donc, quand le frangin est venu, il a balancé fin du game. Je dis, c'est impossible, tu vois un peu. Et de plus, je voyais qu'il ne faisait qu'attaquer Gianni. Et Gianni ne répondait pas, tu vois. Donc, sur le coup, j'ai dit, non. En tant que rappeur, tu vois, touché dans mon amour propre, il faut balancer quelque chose. Mais est-ce que, parce que, bon, les abonnés vont dire on est en train de personnaliser un peu l'émission, mais c'est aussi ça le contexte, en fait, de l'invitation de cet artiste Davinci. Est-ce que tu as pris le soin d'écouter le message qui passait dans la chanson titrée « Fin du game » pour savoir mesurer un peu si réellement ça parle du game en entier ou d'un titre, juste le titre d'un morceau? Ouais, j'ai bien écouté et excusez-moi, je ne parle pas vraiment sous-sous, mais j'ai demandé la traduction à mon proche entourage. Ah d'accord. Tu vois un peu. Donc du coup, j'ai vu les attaques contre Gianni, tu vois un peu, première, deuxième attaque. Donc du coup, voilà quoi, j'ai vu que le petit, ouais, il s'est imposé vraiment quoi. Mais j'ai dit, comment le petit peut s'imposer comme ça, du genre, il n'y a aucune personne parmi les rappeurs guinéens qui arrive à répondre, à répondre le frangin, non. J'ai dit, non, donc il faudrait, je vais d'abord laisser le love sur le côté quoi, je vais revenir un peu sur l'arène quoi. Donc c'est le motif, parce qu'après il y a des réponses. Toi, tu te dis, tu es rappeur, donc voilà quoi, on ne doit pas laisser le game là comme ça, dans les mains de quelqu'un qui annonce sa fin. Justement, en fait, comme on appelle ça, rapologiquement parlé dans la lecture du game, quand il est venu avec fin du game, c'est comme on appelle ça, et par la suite, bientôt, je viendrai avec une autre bombe. Quand il est venu avec fin du game, en fait, c'est comme s'il n'y avait personne pour les répondre, quoi. Donc, il venait asseoir son pouvoir. Ouais. Donc, en sortant début du game, c'est pour lui dire, oh, petit, c'est pas encore fini. Tu penses que tu as eu la ceinture, la couronne comme ça, mais attends. Tu vois un peu, c'est un peu dans ce cadre-là, quoi. D'accord, sinon moi, je voudrais un peu mettre ça dans le cadre de tous ces bruits qu'on avait enregistrés de par le passé entre cette histoire de clash, entre la nouvelle génération, bien sûr, des rappeurs de la nouvelle génération, MC Fresh, Kamakala, parce que tu touches même le cadre dans ta chanson, dans ton morceau, début du game. Voilà, mais déjà, comme on appelle ça, pour expliquer encore bien aux auditeurs, tu vois un peu, parce que c'est aussi en même temps pour donner un message à tous les différents gars qui m'insultent sur ma page, quoi, tu vois un peu. Au contraire, ça me le redonne encore beaucoup plus de force. Tu vois un peu, le rap, il y a différents secteurs. Il y a ce qu'on appelle le freestyle,
tu vois un peu. Il y a ce qu'on appelle le cypher. Tu vois, le cypher, c'est par exemple plusieurs rappeurs viennent sur un track, un peu comme ils ont essayé de faire avec Coup d'État, Nyamakala, etc. Tu vois un peu. Il y a le clash, tu vois un peu. Et il y a l'énoncé. Et il y a le commercial. Il y a le Lego trip aussi qui s'invite après. Voilà, il y a de Lego trip, tu vois un peu. Donc, c'est dans ça, je suis d'abord venu dans le, comment on appelle ça, je suis venu dans le clash. Ça reste une discipline du rap. Ça reste vraiment une discipline du rap, tu vois ce que je veux dire, non? Mais c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas pris de manière personnelle comme si j'avais de la haine envers MC Fresh, quoi, tu vois, ça reste un frère, quoi, mais c'est quand même du freestyle. Comme je dis, c'est un art de guerrier. Tu vois, Mohamed Ali face à Joe Frazier, ça se cogne sérieusement sur le ring. Olyphie Tyson, tu vois un peu, la suite, on la connaît. Mais après, après le ring, mon frère, ça reste des potes, tu vois un peu. C'est ça s'attaque, ça se, y a cette positivité. Oui. Et si vous, si vous avez bien écouté le son, tu vois un peu, comme j'ai dit, le rap, il y a la partie clash, il y a la partie cypher, il y a la partie dénonciation. Dénonciation. Et effectivement, maintenant dans la partie dénonciation, si tu as bien écouté j'ai le bien son. Écouté. Voilà. J'ai bien écouté, j'en venais, j'allais poser tout de suite la question. Parce que déjà, c'est Mais pose là, non. Il n'y a pas qu'MC Fresh qui est visé dans la chanson. Il y a une partie qui est consacrée aussi au promoteur, au label. Voilà, donc comme je t'ai dit, les deux premiers couplets, hein, c'était plus sur MC Fresh, mais c'était plus un exercice de style. Mais est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a fait un retour? Mais est-ce qu'il peut répondre? C'est ça la question. Non, mais c'est moi, je te pose la question en fait. Tu peux pas me poser, la question et tu me ramènes encore une autre question, quoi. Non. Il a fait un retour à ton niveau personnel, individuellement, pas que officiel sur les réseaux ou je sais pas. Non, il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de retour. Moi, je me dis, qu'on appelle ça, quand tu mets la barre tellement trop haute, tu vois un peu. Après, c'est difficile de répondre, quoi. En fait, là, si on le fait encore comparativement par rapport à la boxe, j'ai mis un hypercut. Donc, moi, personnellement, je ne m'attends pas à sa réponse. Alors, hein. Après, tu tacles sévèrement les labels aujourd'hui qui sont sur, qui occupent aujourd'hui le milieu culturel guinéen. Voilà, comme je t'ai dit, toujours, je reviens sur ma première affirmation. Je vois un peu le comment on appelle ça? Le rap dans la partie rap, et c'est la partie la plus importante du rap. D'accord. Et si tu as bien écouté le couplet, j'ai dit par exemple Black M, pour moi c'est pas un rappeur. C'est pas un rappeur là, ce que pourquoi je comprends. Oui. Parce que le rap, un rappeur c'est quelqu'un qui doit dénoncer. Je comprends. Tu vois un peu, un rappeur c'est quelqu'un qui doit parler avec le cœur. Mais est-ce que tu penses pas que le contexte musical du rap même n'a pas changé aujourd'hui? Si, bah, évidemment, tu t'appuies beaucoup sur le côté dénonciation. Est-ce que le contexte même de cette musique rap n'a pas changé avec le temps? Non, mais ça c'est comme on appelle ça. C'est dans tous les domaines de la vie. Hein. Voilà. Tu vois un peu, par exemple, quand on écoute Mifa Gaya, tu vois un peu, quand on écoute Kill Point, quand on écoute maintenant la trap d'aujourd'hui, tu vois un peu. Oui. Sur pratiquement tous les aspects, ça a changé. D'accord. Tu vois un peu, pratiquement tous les aspects. Donc, du coup, bon, voilà, c'est ça la vie, quoi. C'est ça la vie. Des choses, quoi. Voilà, la famille, vous êtes dans le projecteur. Notre principal invité, c'est Davinci qui, dans sa dernière actualité, comme je l'ai signifié, nous a fait un bon contre-pied parfait mais rapologique. Alors, on va continuer toujours cet élan. On va poursuivre toujours cet élan de débat sur le rap. Tu t'es beaucoup accroché sur le côté dénonciation, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on comprend clairement que la donne a un peu changé. Okay. Pour toi, aujourd'hui, parce qu'il y a ce débat aussi qui se dit le rap, il était mieux qu'avant, tout ça. Quelle est toi ta perception? Déjà, tu penses qu'on peut faire du nouveau avec du vieux, ou on peut carrément faire du rap aujourd'hui en se démarquant complètement de ce qui a été, de tout ce qui est ancien? Déjà, comment on appelle ça? Moi, j'ai commencé le rap il y a longtemps, tu vois un peu, et c'est ça justement la force d'un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui réussit à s'adapter avec le temps, parce que les choses ne vont pas rester telles quelles. Ouais. Comme dit Bob, tu vois un peu, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Tu vois un peu, les choses évoluent, les choses évoluent. Donc, c'est aux hommes de s'adapter et de, comme on appelle ça, et d'incorporer leurs valeurs dans le mouvement qui est en train de changer. Tu vois un peu. Pour moi, personnellement, rappeur, tu vois un peu, c'est pas forcément quelqu'un qui tient le mic. Toi, tu peux être un rappeur. Pourquoi? Il y a des valeurs que tu défends. Si tu parles avec le cœur, tu sens que ouais, il y a des petits trucs qui se passent. Tu vas direct, tu dis droit au but, c'est ça, j'aime pas ça. Tu vois un peu. Pour moi, c'est quelqu'un de hip-hop, c'est ça un rappeur. Tu vois un peu, non? Donc, il y a déjà de cette valeur, il y a de ces valeurs fondamentales. Qui fait que voilà quoi, on reste rappeur dans l'art. Après les styles musicaux,
peuvent changer. Il y a ces dérivés toujours. Je vois un peu, non. Mais après, bon, tout dépend maintenant de l'éducation musicale de tout un chacun. Qu'est-ce que la personne veut prôner, tu vois un peu. Si tu veux faire du dancehall, si tu veux faire du quoi, si tu veux faire du commercial, mais la base du rap, c'est ça, quoi, tu vois un peu. Je comprends. Alors, je vais toucher un dernier angle sur le morceau Début du Game. Mm-hmm. C'est vrai, c'est un son clash et de dénonciation. Ouais. Mais après, est-ce que tu sais que ça ne fait pas plaisir aussi aux acteurs qui se battent dans le mouvement féministe? Parce que quand tu dis dans le refrain, le rap, il n'est pas fait pour les femmes, il faut être homme pour le faire. Ouais, c'est... Parce que les féministes, c'est-à-dire leur objectif, c'est vraiment se battre, ouais. Donner ce droit, ouais, aux femmes que les hommes ont dans la, ouais, société. Je suis d'accord. Est-ce que tu ne leur touches pas, ouais, un peu? Déjà, comment on appelle ça? Comme dans toute chose, il y a le bon, il y a le négatif. Ah ouais. Je vais faire une petite confidence, tu vois un peu. Okay. Quand le morceau est sorti, il y a la vieille qui m'a appelé, qui me dit « Mais j'ai pas éduqué un enfant comme ça, comment tu as fait ça ?» Je dis « Maman, c'est le game, quoi, tu vois un peu. Ouais. » Mais déjà, tu vois un peu, par là-bas, je vais pas rentrer dans beaucoup de détails pour me justifier. Parce que je dis, c'est ça un rappeur, quoi. C'est juste demander pardon aux femmes, quoi. Tu vois un peu, okay, vraiment demander pardon aux femmes. Mais, qu'on appelle ça? Pour moi, une pute, c'est pas une femme. Tu vois un peu, tout ça reste dans un esprit. Tout reste dans l'esprit, quoi. Ouais. Quelqu'un qui est à gauche, qui est à droite, tu vois un peu. Et puis, en fait, il fait ça encore sans rien. Pour moi, c'est ça une véritable pute, quoi. Je comprends. Moi-même, je ne sais pas dans ce sens-là, c'est le terme femme, où, mm-hmm, tu dis que le rap n'est pas fait pour les femmes, mais voilà, il faut être homme pour le faire. Tu vois, les féministes, eux, aujourd'hui, leur combat, c'est ça, quoi. Donner tout ce droit-là que l'homme a dans la société aux femmes. Donc, quand ils entendent des chansons comme ça ne va pas leur plaire. Ils m'ont dit, mais non, ça, c'est une exclusion totale. Et pourtant, il y a des rappeuses, quand même. Tu comprends? Ah, mais il y a quelle rappeuse? Il y a des rappeuses, quand même. Que quoi, elle est rappeuse quand même. Ah, moi personnellement, bon, si quand même, hein, c'est quand même. Ouais. Il y a des rappeuses et qui font l'exception, tu vois un peu. Voilà. Mais ça reste toujours très métaphorique, tu vois un peu. Ça reste. Voilà. J'ai ma réponse. Hein, voilà, merci. Ça reste très métaphorique, voilà, parce qu'il y a une très bonne rappeuse que je big up, Sista Lissa. Pour moi, c'est une de bonne rappeuse. Tu vois, non. Ah, et authentique. Voilà, j'accepte que ça soit interprété sous l'angle dans l'élément métaphorique. Voilà, ça reste une arène de spartiate, tu vois un peu. Je comprends. Voilà, quoi, mais c'est comme je dis, les femmes. C'est le game. Voilà. Excusez, hein. Les femmes, elles vont plutôt excuser, forcément, parce que c'est pas le terme n'est pas prenable au premier degré. Voilà. Faut le prendre au second degré. Ouais. Faut le comprendre. C'est ça. D'accord. Alors. On va maintenant s'intéresser à toi personnellement. Okay. Après cette dernière actualité, pour nos abonnés, ils vont se poser la question, c'est qui Davinci? Davinci vient d'où? Qui était Davinci avant le début du game? Moi, je vais répondre à leur place que Davinci avant le début du game, c'était Yekeke, une reprise de Maurice Kanté. Voilà. Sublime chanson que, voilà, moi-même j'ai écoutée, j'ai appréciée. Voilà. Après Yekeke, il y a Sexophonie que j'ai, voilà, aussi écoutée. Voilà. Mais après tout ça, qui était Davinci? Avant ou après? Avant plutôt. Avant. Avant Da Vinci, justement, avant tout ça, avant tout ce qui se passe, ouais. Da Vinci, c'est un ingénieur de son, voilà, je vois un peu, oui. C'est un auteur, c'est un compositeur. Okay. Da Vinci encore, c'est un pharmacien. Okay. Voilà, quoi, Da Vinci, c'est un homme guinéen d'origine gabonaise. Ok, Guinéen d'origine gabonaise. À l'état civil, Da Vinci, c'est qui? Bon, personnellement, je cherche encore à prendre la nationalité. Donc, cher Guinéen, veuillez me l'offrir. Donc, je suis d'origine gabonaise. Je suis venu pour faire mes études en Guinée. Okay. Un peu, donc, voilà, quoi, avec la musique. Ton à l'état civil, c'est qu'est-ce qu'on retrouve sur tes pièces d'identité? Je vais pas dire mon nom, vous allez chercher. Ça reste Da Vinci. Non, mais c'est pas moi je peux l'accepter, mais pour les abonnés quand même, ils nous suivent à l'instant, ils posent des questions, c'est qui Da Vinci? Je vais juste dire mon prénom. D'accord. Je m'appelle Lionel. Lionel Da Vinci. Voilà. Guinéen. Uh-huh. Donc, c'est pour les raisons d'études, tu es venu en Guinée? Oui, tout à fait. Ok. Après, tu t'es intéressé au logiciel de la musique?
Non, ouais, c'est depuis le Gabon. Ouais, c'est depuis le Gabon que je suis venu avec. Hein. Donc après les études, t'as décidé de rester. Non, j'ai pas encore fini. Là, je suis terminé. Tu fais quoi comme études? Pharmacie. Je suis sur ma thèse en ce moment. Ok. Ok, super. Donc tu cumules les deux à la fois, études, musique, ingénierie de son et tout. Voilà. Super. Voilà. En tout cas, nous en Guinée, on a une très bonne mémoire, une très bonne mémoire sur des ingénieurs, en tout cas gabonais. On se rappelle de Junior Fouza, c'est ça. Il a bien servi. J'ai de la vieille. Junior Fouza, il nous a bien servi. Ah. Tu vois, l'album Ifageya, c'est là-bas, le gars, il a été mis sous la lumière parce qu'on l'a tellement développé. Le nom, il est resté. Salam à lui. Depuis le Gabon, il est en train de travailler avec Patience Tabani. Ah, ok, super. Ça, c'est une information pour les abonnés de Guinée de Musique. Donc, du Gabon, aujourd'hui, tu es en Guinée. Après, c'est quoi les projets à venir? Projets à venir, déjà, dans l'immédiat. Est-ce que c'est fini d'abord les études, consacrer le reste du temps à la musique ou d'abord faire les deux à la fois? Non, depuis que je pratique la musique, je fais toujours les deux à la fois. Okay. Enfin, un peu après, la musique, ça reste une passion où je ne peux pas m'en passer. Il y a ceux qui, après l'école, vont jouer au basket. Okay. Moi, après l'école, moi c'est la musique, quoi. C'est ma guitare. Et les parents dans tout ça, ils t'accompagnent? Bon, ça c'est comme en Afrique. Hein. En Afrique, ce qui est intéressant, c'est que pour t'encourager, on commence d'abord par te décourager. Ça, c'est une phrase que j'ai aimée. Un peu, donc, voilà quoi, c'est ça les réalités, quoi. On te décourage. Après, quand on voit que ça commence à mordre, on dit « Ah, petit, pense quoi ». Mais s'il n'y a pas eu de difficultés, en fait, ils t'ont pas empêché de la vie que tu as choisi, tant qu'artiste. C'est partout. Hein. Déjà, pour la petite histoire, en fait, si je suis venu en Guinée, c'est parce que au Gabon, j'avais commencé une carrière, tu vois un peu, et j'ai cartouché deux fois en fac de médecine. Donc, du coup, il m'a fallu trouver une autre école. Ok. Et donc, j'ai choisi la Guinée, quoi. Voilà. Alors, on est maintenant au terme de cette émission. Je ne veux pas te lâcher comme ça. C'est un petit freestyle rapidement. Et après, il y a la session live qui t'attend pour les abonnés aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, petit ACAP. Après, moi, je clôture l'émission. Et ce serait parti pour la séance live. Ok. Le rap n'est pas fait pour les filles, il faut être un homme pour le faire. Guada ne peut pas te donner son liquide, mon rap c'est comme le sida, ça se prolifère, c'est le début du game. Chouin, 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 c'est le début du game. Chouin, 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 chouin. Comment t'as su que le gars de Nyamakala avait un tout petit Bangala? C'est sûr que Bangali a dû être sucé. Oulala, MC Francesca est une chouin. Oh, je te l'avais bien dit, MC Francesca, de pas fumer le chanvre avec les graines. Voilà, maintenant tu l'as fait, tu veux siffler la fin du game pendant que ton papa Ken. Black M n'est pas un rappeur, pourquoi donc tu te glorifies? Ton esprit manque de connexion, mon petit, tu peux prendre le wifi. Dépose-toi, voici la maman Fifi. On va kicker tranquille sur sa foufoune. Johnny Alpha a peur de répondre, alors je vais le faire. Ton flow est maigre et trisomique, y'a comme un défaut sur un de tes chromosomes. T'es le fruit de moi et ma bande Guinée Nyangaman, il faut laisser le chromosome. Le rap n'est pas fait pour les filles, il faut être un homme pour le faire. Guada ne peut pas te donner son liquide, mon flow c'est comme le sida, ça se prolifère. Et si t'entends pas, je vais faire comme Tyson face à Holyfield. Je vais t'arracher l'oreille. Tu te comportes comme une fille qui vient de connaître le pipi, mais qui t'a déchiré l'hymen, c'est le début du game. Chouin, 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 c'est le début du game. Mais très malheureusement, c'est la fin de cette émission. Chouin, 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 chouin. Très malheureusement, moi, c'est la fin de mon émission. Ah. C'était un immense plaisir pour moi de t'avoir reçu sur ce plateau. Okay. Était derrière la caméra Ayu Asifat et toute son équipe. Voilà, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Voilà, histoire de découvrir encore de nouveaux visages de la musique guinéenne. Portez-vous bien où que vous soyez, à la prochaine. Ciao, c'est le début du game.